Salut les amis, voici une recette de savon à base de kojic acide, turmeric, miel et d'huile d'avocat qui nettoie la peau et la rend éclatante. J'utilise pour faire la recette du savon solide au lait, du turmeric acide, de l'huile d'avocat, du turmeric, du miel. J'ai aussi un mixeur qui me permet de mixer le tout, un bocal, une cuillerée et une grande cuillère aussi. Pour commencer, je vais découper mes savons en petits morceaux. Mon savon solide, le savon Olay est le savon que j'utilise depuis beaucoup d'années. C'est mon savon de base. Donc, je vais le découper en tout petits morceaux et le mélanger avec les ingrédients cités auparavant. Là, je le découpe en petits morceaux et je le mets dans le mixeur. Voilà, je vais maintenant mettre mon savon découpé en petits morceaux dans le mixeur. Je le mets dans le mixeur et ensuite je prépare mon mélange. Là, j'ai du kojic acide en poudre. Je vais utiliser 3 cuillerées de kojic acide en poudre. Je le mélange avec de l'huile d'avocat. L'huile d'avocat qui est riche en acides gras, en vitamine E, qui régénère la peau et lutte contre le vieillissement. Également, je vais rajouter du turmeric. Le turmeric qui est aussi un produit qui éclaircit le teint. C'est un antiseptique, un anti-vieillissement. Et maintenant, je vais ajouter du miel. Le miel, lui, est riche en minéraux, en vitamine E, en vitamine A plutôt, en vitamine B et C. Il est aussi un antiseptique. Ça, j'utilise du miel pur et naturel. Je mélange tout le contenu. J'ai ma solution, mélange de kojic acide, de turmeric appelé aussi curcuma, du miel et de l'huile d'avocat. Je mets beaucoup d'huile d'avocat pour que ma peau reste hydratée. L'huile d'avocat évite à la peau de sécher. Là, je mets le tout dans mon mixeur qui va bien me mixer. Et j'ai une pâte jaune que je mettrai dans le moule à savon. Voilà, je mets dans mon moule à savon. Ensuite, je le mets dans le réfrigérateur, voire 7 à 10 heures. Là, j'obtiens mes cubes de savon utilisables en salle de bain. J'ai 6 cubes de savon que je pourrais utiliser, voire sur un mois ou un mois et demi. Et je peux aussi mettre la pâte dans une boîte, la conserver dans une boîte ou avoir des cubes de savon comme ça que j'utilise séparément. Là, je vais tester mon savon, voir si mon savon il mousse très bien. Là, je mets une petite quantité de savon dans la paume. Là, je la fais mousser sous l'eau. Vous voyez, mon savon, il mousse très bien. Là, mon savon, il est prêt à être utilisé pour le bain, pour un soin corporel. Voilà, je l'utilise déjà depuis 3 semaines et il marche très bien. Il lisse parfaitement la peau et il donne de l'éclat à la peau. Essayez et envoyez-moi vos commentaires.